La saison 3 de la Arena del Flow, rumeurs et théories en approche de la nouvelle saison 3 de la Arena del Flow. L'une des rumeurs qui circulent en ces derniers temps, c'est la possibilité de la mort de Charlie Flow. Je te vois derrière ton écran, tu te dis aïe aïe aïe, non, je veux pas que Charlie Flow y meure. Bien que cette rumeur ne soit pas encore confirmée, elle a suscité beaucoup de spéculations et de discussions entre les fans de la Arena del Flow. Les acteurs principaux de la série de la Arena del Flow ont été énormément actifs sur les réseaux sociaux et nous ont partagé des thèmes de stories sur la Arena del Flow. Du coup, ça nous a un peu remémoré la série par rapport à la Arena del Flow. Le personnage Charlie Flow a connu une transformation incroyable au fil des saisons. Si tu te souviens bien, de la saison 1, le personnage Charlie Flow était une personne centrée sur sa carrière musicale, qui était une personne énormément égoïste. Cependant, dans la deuxième saison, Charlie Flow a passé énormément de temps dans la prison, ce qui a fait qu'il a beaucoup réfléchi, qu'il s'est concentré sur la réparation de ses erreurs, comme la recherche de se rapprocher de sa famille, de demander le pardon à ses proches. La possibilité de la mort de Charlie dans la troisième saison a suscité des opinions diverses parmi les fans. Certains fans pensent que c'est une fin triste, mais appropriée à son personnage, tenu compte de son évolution tout au long de la série. Et il y a d'autres fans qui préfèrent que Charlie Flow reste en vie et qu'il continue à se racheter, à dire pardon, etc., etc. Dans tous les cas, la série a réussi à créer un lien émotionnel entre les spectateurs de l'Arena del Flow, qui a suscité un grand débat en ce moment sur internet par rapport à Charlie Flow, qui nécessite un petit peu de réflexion. Après, si tu as mon propre avis, je pense que c'est totalement possible que Charlie Flow meure à la saison 3 de l'Arena del Flow. Bien que l'avenir de Charlie Flow dans la troisième saison de l'Arena del Flow soit encore incertain, soyez sûr que nous, les fans, on sera là pour l'histoire finale. Il a réussi à gagner les spectateurs de l'Arena del Flow, nous les fans, et puis il a réussi à gagner aussi son entourage, sa famille, etc., etc. Dans la saison 2, tu as pu voir que Charlie Flow a énormément changé, c'était incroyable. Il s'est pardonné à Jamie Montoya, qu'il avait fait souffrir pendant 17 ans de sa vie à Jamie. Il a fait souffrir aussi tout le monde, tout son entourage. Il s'est racheté, il s'est pardonné. Manin avait dit tuer Juancho, il avait créé une scène pour faire croire qu'il avait tué Juancho, mais il avait protégé, il n'avait pas tué Juancho. Tout ce que Charlie Flow dans le passé avait fait était très mal. Dans la saison 1, c'était comme je te l'avais dit, il était égoïste et pensait qu'à lui-même. Dans la saison 2, il s'est racheté, il a demandé pardon. Dans la saison 3, je trouve ça totalement logique que malheureusement, enfin logique et triste, que Charlie Flow meure dans la troisième saison. Je pense qu'il va avoir une guerre avec ses ennemis, qu'il va vouloir protéger sa famille, qu'il va vouloir protéger ses proches. Et c'est pour cela que malheureusement, Charlie Flow sera mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à me dire ton commentaire. Je suis le seul à poster ce genre de contenu en français. Il y a que des Espagnols qui proposent ce contenu par rapport à l'Arena del Flow. Je trouve ça dommage. Donc n'hésite pas à me dire ton ressenti dans les commentaires par rapport à la mort de Charlie Flow.